C'est vrai qu'on en parlait aujourd'hui avec des personnes. Prendre le temps de venir, de passer une heure dans la matrice, c'est assez précieux. Alors, je m'appelle Fanny, donc je fais partie du collectif depuis son commencement. Nous, on s'est rencontrés plus ou moins en faisant nos études, on est comédienne. Le collectif, on s'est réunis en non-mixité, ce qu'on appelle aujourd'hui la mixité choisie. On avait une logique de non-production de spectacles, comme ça, et pendant 3 ans, on a fait de la recherche. Alors, pas 3 années complètes, mais quelques semaines par an, on se prenait le temps de travailler autour des thématiques femmes et performances. Après toutes ces années de recherche, on a commencé à fatiguer et on s'est dit que ce serait chouette de partager notre travail. Donc on a créé la première ouverture de ce qui est devenu la matrice PFE. Et voilà, en fait, c'était une espèce de grosse installation comme ça dans laquelle les visiteurs et visiteuses pouvaient se balader, lire des choses, écouter des choses, prendre le temps de regarder une performance, mais aussi décider juste de faire des jeux. Bah, y a eu cette première installation et bien, y en a eu d'autres. Et aujourd'hui, on est sur la 7e installation de la matrice PFE. Alors aujourd'hui, comme plusieurs fois pendant les 2 semaines qu'on passe ici, se déroule une soirée performance. C'est pas toujours qu'on a l'habitude de croiser des formats comme ça. Nous, en plus, nos soirées, elles sont dans l'installation, donc il y a plusieurs salles, il y a un couloir entre les deux. On va se balader comme ça, de performance en performance. Ce soir, il y a 10 de performances qui se déroulent dans la matrice. À la fois, il y a les personnes du collectif qui performent, mais il y a aussi des invités avec lesquels on a pris le temps de faire un laboratoire de travail au mois de septembre dernier, qui aujourd'hui se joignent au collectif pour performer avec nous. Il y a une chose, par exemple, qui va se dérouler en loge, qui est un tout petit espace intime. Le titre, c'est « Chair fraîche ». Et on vient, on peut être 2 personnes maximum pendant cette performance. On reste le temps qu'on veut et ce qui se déroule à l'intérieur est un peu mystérieux. Il y aura une grosse performance autour de la boxe. Voilà, ça vous donne un peu des idées de ce qui va pouvoir se faire. Et puis à la fin, on conclura cette soirée avec une performance collective de toutes les artistes interprètes qui sont là ce soir. Peut-être se dire que la matrice, c'est aussi juste se balader dans cette installation. Et puis il y a des choses assez délirantes qui vont se passer jusqu'au 21 avril. Donc c'est un petit festival à l'intérieur de Créatrices.